kombo na yo na bomba yango na motema lokola nzoto na makila mangai moko ye yo oh oh oh. Bolingo, melama ya pio chéri, yo kiti sa mote mana yo pa plaisir. Chandra, na benga yo ta de chade, position nanga ya mote ma mon amour. Ma bena salinga ina la pinda ye. Na kozonge la li susute amour Chandra, kombo na yo na bomba yango na mote ma. Loko lanzoto na makila mangai moko. Oh, RIP Joski Kiambukuta. Aujourd'hui, on est en train de pleurer en rend hommage à Joski Kiambukuta, Josex, notre grand chanteur congolais qui est décédé il y a exactement une semaine. Le programme de funérailles n'ont pas encore été publié, donc vous serez au courant de tout et tout. Vous allez voir que beaucoup de gens parlent donc de lui. Joski Kiambukuta, on le surnommait Josex. C'est une voix d'or. Quand il fait le featuring avec quelqu'un, ça n'a jamais échoué. Il a évolué dans TP OK Jazz. Il a fait pas mal de featuring avec Madi le système avec Koffi Olomide, like you name it, et il a chanté avec tous ces artistes musiciens congolais. On l'a perdu il y a une semaine exactement, et c'est tout le Congo qui est en train de pleurer. Il est tellement notable, tellement notorious, qu'on ne sait même pas encore comment faire le programme de ses funérailles. Sûrement ça sera pompeux. Je suis en train de compter sur vraiment l'apport de tous les musiciens congolais d'aller sur place prester pour ce grand artiste que nous perdons. Souvent on a tendance à venir rendre hommage, à parler du bien des gens quand ils sont partis. Alors à cause de ce qu'il a laissé, c'est comme on dit en anglais, a legacy. Il nous a légué quelque chose. Comme vous savez, la musique au Congo, c'est ancré dans notre sang. Parmi les potentialités de la RDC, on a la musique. Et là, on vient de perdre un des grands, si pas le meilleur. Pour moi, c'était mon meilleur chanteur. Et étonnant, je venais de passer 2 mois. Chaque jour, quand je prépare, j'écoute du Joski Kiambukuta pour me mettre dans le mood, dans la bonne humeur. C'est Joski et tout et tout. Si vous parlez rumba, vous voulez écouter des belles mélodies, vous voulez écouter des chansons sexy, tu veux cajoler ta copine, ta femme qui veut te quitter à la maison pour mettre de la bonne ambiance, pour s'apprêter pour le week-end, je vous dis que la voix de Joski est la solution à tout. Il est parti, mais un artiste ne meurt pas. Il est immortable par ses œuvres. Il va toujours rester parmi nous. On va toujours écouter ses œuvres. En tout cas, je suis de cœur avec sa famille, ses amis, toute la classe musicale de la RDC. On est de cœur avec vous. Je sais que c'est vraiment difficile, que beaucoup, tout le monde ne peut que regretter Kiambukuta Joski. On a pleuré Franco, Taboulet et autres. Et ça, c'est un autre A de la musique congolaise qu'on vient donc de perdre. En tout cas, de tout cœur, on est là ensemble. Les musiciens, on ne sait pas verser des larmes pour eux, parce que c'est des gens qui ont vécu dans la joie et tout, dans la gaieté. Et on les pleure comme ça en écoutant leur musique, en disant au revoir, mais tout en souriant, parce qu'on sait qu'ils seront toujours avec nous. Ils sont immortalisés, leur œuvre immortalise leur âme, leur présence sur terre. Une vie vraiment bien vécue. Joski Kiambukuta, il était avec Ndombe Opetum qui est déjà parti, Madilou System qui est parti, Lutumba Simaro qui est parti. C'était juste son heure qui est arrivé à, je crois, à 71 ans là. Il vient de nous quitter, il est donc parti. Et voilà, j'ai eu donc le temps, parce qu'en fait on a perdu beaucoup de gens la même semaine, hein. On a perdu Bakayoko, Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. On a perdu John Pendo Magufuli de la Tanzanie. Et donc j'ai pris du temps pour faire cette vidéo. J'ai encore beaucoup de récap à faire. Et voilà, donc je tenais, parce que c'est mon artiste au préféré, à lui rendre cet hommage aujourd'hui, parce que je sais que je vais continuer à, j'ai même des larmes, je veux pas pleurer. J'ai eu à le voir aussi physiquement. On était parti dans son concert une fois à Kinshasa avec ma grande soeur et un groupe d'amis et tout. Et quand Joski était là, non, c'est un homme vraiment très respectable. J'ai vraiment beaucoup de d'égards j'ai beaucoup de respect à son égard. Donc RIP Joski Kiambukuta, Josex, vraiment le chouchou de beaucoup de moments. Beaucoup de nos moments ont vécu en fredonnant sa musique, en la jouant, en l'écoutant partout. C'est vraiment un homme qui est très connu au Congo. Il est, en tout cas, je vous dis, si on doit
citer 10 chanteurs ou même 5, le nom de Josky Kiambukuta est là. Et comme des fois, j'avais dit à quelqu'un que non, pour moi, le meilleur featuring qui soit en tout cas jusque-là entre Congolais et Congolais, c'était la voix de Koffi Olomide et de Josky Kiambukuta. Ils ont chanté, il y a un album, il y a même un titre là qui a vraiment fait du succès grâce à la voix de Josky. Comme Koffi Olomide lui-même aime le dire, c'est son grand frère et tout, voilà. On a perdu Kiambukuta, il était malade quelques temps avant sa mort. J'avais vu les gens lui rendre visite chez lui à la maison. Et il y a un groupe de jeunes qui avaient donc joué ses chansons pour... c'était une façon de lui dire merci. Et on savait que le temps approchait. Et voilà, ainsi Sona Legla, on l'a donc perdu il y a une semaine. Et moi, en tant que fan de sa musique et tout, j'ai jugé de faire cette petite vidéo pour vous. J'espère que je vais avoir le temps de faire... j'aimerais jouer une minute ou deux d'une dizaine de ces chansons que je vais poster. En tout cas, écouter, ambiancer et aimer la musique. Et avec le temps, si vous pouvez aussi jouer ça pour votre maison, spécialement pour le jour de son inhumation, pour lui dire au revoir dans nos maisons africaines et tout, j'aimerais aussi qu'on dise au revoir à Josky. Elle dit qu'il a été un bon combat, un bon soldat, il a bien combattu et il a bien presté, il a donc laissé un legacy after him. Voilà, donc c'était pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je sais que c'est vendredi, déjà bon week-end chez vous, de la part d'Immaculée Lettre Arcès. On va revenir ce week-end avec deux vidéos par jour parce que j'ai repris le boulot, comme je vous avais dit, j'ai repris le boulot. Ma compagnie là qui avait fermé à cause de la Covid le 5 février, on a donc repris. Donc je travaille encore, c'est la nuit et vous pouvez pas me voir entre lundi et jeudi. Je posterai donc chaque vendredi, samedi et dimanche, comme j'aime partager la parole de Dieu dimanche et les autres jours. Donc on fait nos émissions, voilà. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vous dis au revoir, je vous laisse aujourd'hui et on va se retrouver donc après sur une autre vidéo. Passez déjà un bon week-end chez vous. C'est Immaculée, votre soeur qui vous aime, vos chouchous et vous apprivoise à outrance et à plus.